ولا عندنا ارتباط بستد الجهات، يعني نصف الجهات ديال المملكه، وسابقه في تاريخ المغرب لاول مره غادي يكون واحد الربط جوي ما بين الجهات الجنوبيه بثلاث. والتسعيره ديال الثمن ديالهم اللي تحكمنا احنا فيه وكان اختيار ديالنا هو 300 درهم في الاقاليم الجنوبيه، يعني ما بين جهه القليم واد نون والعيون السماره والعيون الداخله 300 درهم. هذا يكلف تمويل ذاتي بامكانيه ذاتيه ديال مجلس الجهه ديال العيون كامل 4 مليار و 932 مليون. هذا هو الكونتوني ديال ايجاد هذه القاعده الجويه. لوفيرتور دوجوردي دو سيت نوفيل باز اي تا مومون امبورطون، سي اون نوفيل، سي لا بروميير باز ريجيونال ايريان que nous ouvrons au niveau national. C'est une base qui va nous permettre d'un côté de contribuer au désenclavement de certaines régions, notamment de certaines régions du sud, que au développement de notre tourisme national, puisque nous allons injecter à peu près 400 000 sièges d'avions pour contribuer à ce développement aussi bien économique que touristique. Avec cette nouvelle base, nous allons pouvoir connecter de nouvelles destinations à l'Aïoun. Nous étions sur le passé uniquement sur Casablanca et Agadir. Nous allons rajouter Dakhla, Smara, Goulmim, Marrakech et Las Palmas. Et avec tout cela, encore une fois, nous allons donner une vraie dynamique qui n'aurait pas été possible sans ce travail de proximité qui a été construit pendant ces dernières années avec le conseil régional de la région, la Aïoun Sahel Hamra, qui a montré tout son dynamisme. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, les fréquences sur la région de l'Aïoun se développent à grande vitesse. La RAM, pour la première fois, installe un avion basé ici à l'Aïoun qui va permettre d'effectuer 13 liaisons hebdomadaires. Des liaisons intérieures, domestiques, avec Smara, avec Guelmim, avec Dakhla, mais également des liaisons avec Marrakech, et des liaisons avec Las Palmas. C'est une base qui va renforcer le programme de mise à niveau qui a été inauguré ici par Sa Majesté il y a quelques années. Ça va permettre d'accompagner tout ce programme de mise à niveau fantastique qui est en train de se réaliser dans cette région.